Salut à tous, je suis Gilvé et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Dunstar Hamlet. Allez, j'ai la fièvre du jeu, on va continuer. Ok, donc tuer ces monstres compte pour la jauge de Naughtiness. C'est un petit peu bizarre. Sous leur forme, sous cette forme-là, ils sont inoffensifs. Et sous leur autre forme, ce sont les pires qu'on a jamais vus. Normalement, j'ai fait un radeau. J'ai fait un radeau quelque part. Et puis après, j'ai dû l'abandonner. C'était en début de let's play. Ce qui fait qu'en fait, là, je suis en train d'enregistrer des épisodes en avance, en avance, en avance. Qu'est-ce que je fais? J'ai un petit peu besoin de manger. Je peux faire un feu de camp. Je peux faire un feu de camp. Alors, il y a un mode qui permet d'avoir une cuisinière avec nous. Donc du coup, on peut faire des recettes de cuisine. Ay, merde. On peut faire des recettes de cuisine sur nous. Donc à n'importe quel endroit en fait. Ok. Là, je cherche un item et un seul item. En fait, deux. J'ai besoin de deux pans, si le jeu veut bien me donner ça. Je veux rien d'autre. Je vais rien chercher à avoir, mais vraiment rien. Juste deux pans. Et des carottes. Des radis, pardon. Ou des carottes. Punaise, là, il y a plein de radis. Quand on rentrera au camp, on va pouvoir se faire tellement de boulettes de viande. Ok. Oh, j'ai un casque ici. Alors toi, tu veux te faire capturer, c'est ça. Mais y a pas de problème. Hein. Ah, j'en ai deux en plus. Ok, donc je vais buter les deux. Voilà. J'ai 10 charges. J'ai 10% qui restent. Je vais capturer celui-là, on n'en parle plus. Ok. Bah du coup, j'ai assez que pour remplir. 58. Ok. Et puis, bah le restant, ça va être pour... Mais pour la lampe, hein, tout simplement. Là, je vais prendre ma lance, par contre, je sens que je vais me faire arrêter. Ok. Alors, t'as... Attends, je prends... Ah non, 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 c'est la plante qui prend 42 dégâts, on est d'accord. Ok, là, je l'ai cassé juste pour qu'il puisse se déplacer. Je suis comme ça, moi, je pense aux autres. Tac, tac, tac. Oh, il y a de la nourriture. Non, non, non. Finalement. Ah. Hé, hé. Merci. Tu peux utiliser un boomerang comme il faut, s'il te plaît. Ah, je me rappelle en tout début de Dunstar, le boomerang. Je le trouvais tellement bien parce que tu pouvais attaquer à distance. Mais comme je savais pas comment le rattraper, je me suis dit, tu sais quoi, va chez ta sœur, je t'utiliserai plus. Mais non, mais c'était chaud. À chaque fois que tu balançais le boomerang pour un truc, tu te reprenais le coup, c'était... C'était chaud. Allez, du radis. Du radis. Là, je sens que le jeu va être gentil avec moi et n'avoir aucun pan. Un seul. Je te demande juste un seul pan. Juste un seul, tu vois, je suis... Moi je demande pas grand chose, hein, juste un pan. Ok, leur carapace, ça va, y a pas de problème. Ok, niveau sain, niveau sain. Niveau sanité, niveau nourriture, niveau énergie, on est bien. Alors, je vous avoue que... De temps en temps, tu te balades près des gorilles et des choses comme ça, et tu vois qu'ils sont par terre. Ou alors là où il y a des lianes et tout ça. Donc, parfois on a juste de la chance et on chope des plumes facilement. Alors, je suis là, je suis pas là pour attaquer des gorilles ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de problème. Oh là là, il reste plus énormément de zones. Allez, un autre pan. Mais là, mais le jeu, il faut que tu m'en fasses spawner, hein, on est d'accord.
un moment, il faut que t'en fasses poney. Ok. Je suis obligé de prendre la nourriture. Je vais laisser tomber ça et je vais utiliser ça. Ah ouais non c'est horrible. Ici si je me fais coincer, ouais, on n'a pas été voir trop loin. La nuit approche ou pas? Ouais, la nuit approche. Il y a des lucioles. Les lucioles sont mieux. Il y a du radis donc on prend. Pour le moment ça va. Je commence pas à éternuer pour le moment. Et je vais d'ailleurs prendre des plantes pour monter ma sanité. Mais à chaque éternuement, c'est une baisse de sanité. C'est chaud. Ok, 107. Allez, on va remonter parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui ont spawn entre-temps. Allez. Je vais faire ça. Bon, on se rappelle de cet endroit, hein. On a buté des gorilles ici, on a laissé nos ressources là. Je vais prendre ça. Ok, ils sont en train de se suicider sur les... sur les vignes. Alors 0 0 0, toujours rien. Et je vais mettre mon feu de camp ici. Et je vais cuire cette viande. Et je vais la manger. Celle-là commence un petit peu à pourrir. Donc là par exemple c'est du gâchis de nourriture. C'est vraiment du gâchis ce que je fais là. Ce que je devrais faire c'est retourner à la maison et les faire sécher. Je vais voir si je peux les maintenir. Ben, ça dépendra de ma chance, tout simplement. Allez. Ok, j'ai pas de ciseaux, j'ai pas de machette, je peux pas ramasser de la paille, donc ça va. 10 de sanité, ouais, ça va être bien. Mais là, mais à partir d'un moment où même dans l'apocalypse, notre sanité ne fait que baisser, avoir de la viande séchée, malheureusement, elle tiendra pas le coup, je pense. Elle diminue très lentement. Si seulement j'avais un frigo, il me faut de l'or. Il me faut de l'or pour ça. Et la quantité d'or que je ramasse a vraiment diminué. Allez, le jeu. Passe ta journée. Enfin, passe ta nuit plutôt. Ou passe à la journée si. Donc, une fois qu'on aura notre chapeau, et zut, une fois qu'on aura notre chapeau, parce que le chapeau aussi est problématique. Mais non, mais il y a tout qui est problématique dans le jeu, c'est abusé. Alors, est-ce qu'on a déjà visité ici? En tout cas, on va buter lui, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, t'as cru quoi? Je vais éternuer. Ouais. Bah, on peut choper de l'or ici. Ah mais c'est très bien, on va choper au moins 2 morceaux d'or. Ok, avec ça je peux faire mon frigo. C'est très bien.
Non, à part moi, il y a encore des petits endroits que j'ai pas visités. C'est pour ça que les marqueurs... Non, 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 t'es fou dans ta tête, toi, t'es fou dans ta tête. Remets ton chapeau si tu veux bien. Ah, cette musique est bien. Mais je peux pas en profiter parce que je veux voir un pan. Punaise, donne-moi un pan le jeu, s'il te plaît, quoi. Mais non, mais je suis ton pote. Et je m'amuse tellement quand je joue à toi, donc sois un peu... Allez. C'est pour ça qu'il faut faire le boomerang très très tôt, parce que tu voyages énormément en début de partie. Et t'as... Coucou. Ok, on a découvert cette map, on va dire. Bon bah du coup, vu qu'on est revenu ici, on va aller dans cette zone-ci et prier. Ou alors je rentre au campement. Non, je vais pas rentrer au campement tant que j'ai pas mon pan. Allez. D'ailleurs, la canne me manque, évidemment. Ah, ce que je peux faire, c'est ça. Ouais, je peux faire ça en effet. Du coup, je te mets là. Et je te tue. Ça va monter un petit peu le niveau de fraîcheur. Et je suis pas tout à fait clean avec les dieux, donc. Oh! Ah, mais ils l'ont pas pris. Puis là, je pensais qu'il allait le prendre. Ben c'est pas grave, je vais le mettre ici. Et on continue. J'avais 120 de sanité ce matin. Enfin, ce matin. Hier. Oh, un morceau d'or, ça c'est bien. Allez, on va prendre toutes les fleurs qu'on voit. Ok, cette zone est relativement verte. Ça veut rien dire. Ah oui, c'est vrai, tubeur. Éclos. Ou éclose plutôt. Ah, regardez ça! Ah, punaise! Ah, j'avais jamais fait gaffe. Ouais, il y a quelques détails auxquels. Ah! Punaise, trois items qui tombent, quoi. Ok, bah, je connais déjà le titre de cet épisode, à la chasse d'un paon. Non, non, mais il peut pas y en avoir que 3, quoi. On a eu de la chance, on en a eu 2 pour les deux premières. Mais après, vu que c'était pas l'époque, on s'est dit bon, c'est pas très grave. Ok. Oh, un poisson. Je peux manger le poisson sans perdre de la sanité. Ok. Par contre, elle l'engloutit hein, avec les arêtes et tout. C'est soit on est une guerrière, soit on l'est pas. Hein. Moi, je le suis pas. Je suis pas une guerrière. Allez. Ah, ça va être la pleine lune. Hein. Ça, c'est bien. Du coup, je vais pouvoir continuer ma recherche. Déjà que j'ai pas de plumes, alors si je les perds, c'est chaud là. Non, mais je suis sûr, y en a un, il est dans mon dos, et comme je tourne pas la caméra, je le vois pas. Ok, on monte notre sanité. Il a 50 PV. Donc si on voit 50 PV apparaître à l'écran, ça peut être lui.
pas être dans une caverne. Ok, ici on n'a pas vu cette zone, donc c'est bien. Mais par exemple là, pour éviter de perdre trop de temps, je devrais ramasser des ressources en même temps. Tac tac tac. Ok, nous arrivons ici dans un biome. Oh, yeah. Avec le tubeur qui a fleuri et tout. Ça va être bientôt la nuit. Mais non, mais moi je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Là je suis en train de pester tranquillement de mon côté, c'est tout. De fulminer. De fulminer, moi c'est un meilleur terme. Contre ce jeu. Mais je sais que je serais content avec. Mais en fait, j'ai pas vraiment besoin du casque pour rester en vie ou quoi que ce soit. C'est juste que je peux pas progresser sans ce casque. Et quelque chose. C'est quoi ce bruit? Ah ok, c'est. Oh putain, c'est les animaux. Ouais. Le problème c'est que je peux pas aller dans la ruine qui me permet d'enlever ça. D'enlever l'apocalypse en fait, c'est ça le problème. C'est plus ça qu'autre chose. Hein. Oh non, pas mes bulles. Bah. Ah vas-y, viens, tiens, je vais te tanker, je vais te buter, je vais te bouffer, je vais vous. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit que je suis qui moi? Regarde ça, j'attaque ça alors que c'est pas ma cible. Bon, à un moment, soit vous essayez de me tuer, soit vous essayez de vous barrer. Faut choisir. Qu'est-ce que je vais laisser tomber? Qu'est-ce que je peux bouffer? Je peux bouffer ça. Ouais. Bah, je vais faire un feu de camp, ce sera mieux. On va cuire ces morceaux de viande. Oh là là, tout ce farming jeté par la fenêtre. Parce que ça rend pas beaucoup de nourriture. Ça rend pas beaucoup de. Vas-y, bouffe tout ça. Ok, je vais laisser tomber la pioche aussi. Et je vais prendre ça. Je crois qu'il y a un item qu'on peut faire avec, avec cette aile. C'est pas grave. Non, 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 m'attaque pas. Bon bah vas-y, tu m'as, vu que tu m'as attaqué, je te dis. Voilà, attaque-moi du coup. Ok, il y a une autre savane ici. Allez, on va croiser les doigts. Il me reste deux charges de boomerang. Et ces deux charges de boomerang, c'est bien évidemment pour. Pour le pan. Si je me fail sur une des charges, c'est fini. Il faudra retourner au campement. Je suis déjà allé par là. Allez, le jeu, s'il te plaît, sois sympa avec moi. Je suis. Ah. Non, mais c'est pas très grave. Donc, normalement, avec ce masque à gaz, on aura un autre problème aussi. Ça va être quoi? Ça va être la baisse de sanité. Parce que quand tu mets le masque à gaz. Il y a ta sanité qui n'arrête pas de descendre aussi. Donc tu peux pas le mettre sur une longue période. C'est juste pour nous permettre d'éviter à d'éternuer ou alors d'aller dans la zone. Dans la zone où c'est empoisonné. Donc c'est. Enfin bon, c'est toujours mieux parce que franchement éternuer et perdre de la sanité, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top parce qu'il faut continuellement faire des combats. En tout cas pour ce personnage-là. Pour d'autres personnages, bah, il faudra préparer des lits, hein, masse lit, pour essayer de dormir et récupérer sa sanité. Allez. Le pire, c'est que j'y crois encore, en fait.
Il y a le magasin général. Non, le magasin général nous vend du tissu et des choses comme ça. Il y a un magasin de casques. Mais on n'a jamais pu voir ce magasin de casques. Parce qu'il est sur l'autre île, avec les autres types de cochons. Alors, j'ai un petit peu ma sanité de récupérer, donc ça va. On va attendre le deuxième éternuement, j'ai pas perdu d'item. Et du coup, on va descendre et traverser en fait les forêts tropicales. On va essayer de voir, parce que là, je suis vraiment coincé. Je tourne en rond, ma base ne progresse pas. Et il n'a pas un bruit caractéristique en fait, donc je peux même pas l'entendre. Sauf quand il se barre. Et même ça, je suis pas sûr. Attends, t'es sérieux? Je suis revenu ici? Y a pas de forêt tropicale ici? Non, y en a pas. Ok. Alors, vous avez vu ce que je viens de faire? Et je viens de perdre mon chapeau de mineur. Non, je vais pas m'énerver, je vais pas m'énerver. Ça sert à rien. J'ai encore une luciole, donc je peux le faire. J'ai besoin d'un chapeau de paille. Le pire, c'est que le chapeau de mineur était à plus de 90%. Oh, les enculés! Alors, je peux le récupérer. Il faut juste tuer l'animal qui me l'a pris. Alors là, c'est empoisonné, donc je peux pas entrer par là. Mais je peux aller par là. Tac, tac, tac. On va continuer par là. Ça va être la nuit. Je vais récupérer cette brindille vu qu'elle est tombée. Waouh, punaise. La visibilité est super claire. Hop. Là, mais on pourrait avoir de la chance. Attends. Ok, je suis obligé d'attendre d'éternuer. Ok, je vais passer. C'est par là. Elle est pas mal handicapée dans cette saison, malheureusement. Elle est pas mal handicapée. Ouais. Ah, il y a des gorilles ici, d'accord. J'ai intérêt à me barrer très très vite. Parce que les autres peuvent manger en fait les. Qu'est-ce que tu me fais? Les autres peuvent manger les glands des arbres. Et du coup, en fait, ça enlève le. Ça enlève l'éternuement. Ça diminue. Oh, mais voilà! Les trucs des hantes. Ok. Il y a un artefact ici aussi. Ok. Oh, il y a pas mal d'artefacts, c'est très bien. On viendra récupérer ça un peu plus tard. Ok, donc ici je suis au zone. Au nord plutôt. Non, je suis pas aux zones. J'aurais honte de l'être. Allez. Ah, c'est encore la pleine lune, donc je peux me balader tranquillement. Ok. Je peux me balader comme je veux et je vais pas trouver ce pan. Allez, viens par là pour découvrir la map et peut-être, qui sait. Ok, là nous sommes au bord, vas-y, attaque. Ah oui, c'est la nuit, ok, pas de problème. Y a pas de soucis. Allez. Bon, bah il va m'attaquer, hein, vas-y. Il faut juste que je m'approche d'un animal.
Éclairé, et il faut que je fasse ça cette nuit. Ok, il va aller là-bas. Oh non, pas mon truc. Voilà. Je pense pas que j'ai une chance de trouver ça ici. 25 minutes. 25 minutes pour une chasse. Allez. Non mais je me dis il y a plus de chance sur des zones vertes que rocailleuses quand même. Ok, il y a un village de hantes ici, il y en avait eu un autre. J'avais cru en avoir vu un ici. Ah, il est là, ok. Mais ça va. Allez. Mais non mais imaginez quoi, je perds mon pitch hat. Comme tout à l'heure. Allez. Faut que je récupère ma sanité. Non, il faut pas que tu laisses tomber des objets importants. Ah mais non, mais c'est des combats. Punaise. Non, vas-y, je vais te tanker, je vais te buter, ça va me donner de la sanité, de l'énergie et tout. Et de la nourriture aussi. Non, t'inquiète, je vais te tanker aussi. C'est pas grave si je perds quelques PV dans le processus. Faut que je récupère ma sanité, donc les combats sont les bienvenus. Non, je suis désespéré là. Ouais, j'ai fait quasiment toute la map. Allez, on va rentrer chez nous. Sur le chemin, peut-être qu'il y aura ça, mais... Où est chez nous? Chez nous est par là, allez. Je sais pas comment le jeu fait spawner ses pans. Je sais pas quelle est ma chance aujourd'hui. Je pense que les deux sont peut-être liés. Allez, mais ça va, on a eu de l'or. Donc ça c'est très bien. Moi tant que j'ai pas mal d'or, je pourrais faire un frigo. Ce sera bien. Et je peux faire soit une hache, soit... Enfin, soit ma lance, soit mon casque. Donc je serai... Ouais. Ok, bah, j'ai l'impression qu'on a trouvé 3 des 4 items pour changer de monde. Je les ai pas récupérés. Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Mais j'ai l'impression que celui-là c'est le troisième, si pas le quatrième. On n'a pas vu la tête de Potato. Non, il faut pas que vous m'attaquiez, les gars. Ok, donc là on se retrouve au point de départ. Avec une corde, je vais pas la prendre. Alors, le jeu peut me faire une petite surprise. Je rentre dans la capitale. Je rentre dans la ville. Et qu'est-ce que je vois? Une carte. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, mais là, ce sera pas possible. Non, là, je vais m'arrêter là. Là, ça m'a cassé, je pense, psychologiquement. C'est pas possible. Ce que je peux faire, c'est passer un jour, refaire ça, mais pas enregistrer ça, parce que non, 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 c'est horrible. C'est horrible. Tac, tac, tac. Moi qui disais que je voulais tout enregistrer
Pour que ce soit un let, je peux pas. Là, je peux pas. Parce que tout ce que je veux faire, c'est insulter le jeu, en fait. J'ai pas de pièces d'or, donc ça sert à rien que j'aille par là. Je vais rentrer dans mon campement, me faire à manger, et dormir. Alors, nous avons 23 jours. Non, 33. 33 jours avant l'apocalypse. Donc nous avons 33 jours pour trouver une plume en fait, c'est ça que ça veut dire. Mais dans le prochain épisode, je pense que ce que je veux faire, c'est aller dans une... Non, ça va me poser trop de problèmes, ça va me poser trop de problèmes, cette baisse de sanité. Il faudra que je dorme tout le temps pour la récupérer. Ça va vraiment être problématique. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais prendre... Ah, je perds de la vie. Ben vas-y, mange ça, hein, si tu veux que je te dise. Du coup, on va te recharger. Parce que ça a donné que 38%. Et donc... Et c'est là que je me rends compte, j'en avais 4 en fait. Ouais, non, il faut arrêter de déconner un moment aussi. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir besoin de ça. Je m'approche de toi. Et tu peux me faire ça. Voilà, punaise. Enfin. On va récupérer nos morceaux. J'ai de la viande de monstre qui est prête à être séchée. Voilà, on récupère ça. Je pense que je peux même mettre ça en séché. Ok. Du coup là c'est pas mal. Tac, ouais c'est pas grave, tu peux tomber. Ça vérifie. Est-ce que tu me fais une boulette de viande? Avec une seule cuisse. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Ok. Tu peux faire des boulettes de viande avec quasiment tout. Donc là on va perdre un petit peu de faim, le temps que la boulette se fasse. Hein. Ma sanité monte. Donc tant que je suis chez moi, il n'y a pas de problème. Le seul problème évidemment c'est comment est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est les éternuements. Ok, donc là je vais faire une corde. On va faire une corde. Ah, j'ai oublié de poser mon frigo. On peut poser le frigo ici. Je pourrais mettre un second machin. Non, c'est provisoire. C'est provisoire. Bah, vous savez quoi, vu que je suis assez vénère, on va prendre ça. On va faire ça. On va acheter un. Oh punaise! L'extension me coûte 50 pièces d'or. Bah, ça me vénère encore plus en fait. Ok, je vais faire ça. Est-ce que je peux mettre cette viande? Je pense pas que je puisse la mettre. Non. Par contre, si jamais je me retrouve avec des viandes qui sont trop basses, ben on peut faire des boulettes de viande du coup. Donc là, ce que je vais faire, c'est je me suis fait une corde. Et je vais faire un lit. Je devrais faire ça en grande quantité. Je crois que le maximum du stack, c'est 10. Donc on met ça dans le frigo. On met ça dans le frigo. Les radis sont dans le frigo. C'est délicieux tout ça. Les fleurs, je peux les mettre dans le frigo aussi, comme ça périme pas trop vite. Voilà. Du coup, on dort. Il reste plus beaucoup de la nuit. On va récupérer notre sanité. 24 à 57. 24 à 57. Ça fait 30, ça fait 33 de sanité. C'est pas mal. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Mémoria. Allez, salut!